Alors, je te présente l'activité créative que j'ai faite en l'honneur du poisson d'avril. Alors, tu remarqueras que j'ai créé, dans le fond, premièrement, j'ai choisi un arrière-scène en choisissant en bas ici, choisir l'arrière-plan. Tu pourras voir qu'il y a quelques fonds d'océan, alors qu'ils sont disponibles. Il y en a un ici, tu pourras faire ton choix. Par la suite, je vais revenir. Je suis allée chercher différents lutins, donc des sprites, que je suis allée mettre. Et je les ai programmés pour faire ceci. Alors, je te fais partir le programme. On va pouvoir le voir. Alors, comme tu peux remarquer, le chat, le premier clic, est maintenant changé. Ce n'est plus le chapeau. Alors, on a une nouveauté. Notre petit chat est là pour faire partir le programme. Donc, quand je clique sur le drapeau et je prends ce poisson-là, alors, je l'ai amené à dire bonjour. Alors, comme je voulais travailler les langues, je le fais repartir. Tu vas voir apparaître le bonjour de mes quatre personnages dans différentes langues. Et par la suite, ils se promènent. Et on a aussi du son. Alors, je suis allée mettre le son de la vague de l'océan. Et tu pourras donc observer comment j'ai fait le programme. Mais en réalité, j'ai essayé de trouver différentes alternatives. Pour pouvoir dire le bonjour, je te mets ici le personnage de l'octopus. Il y a des blocs supplémentaires ici en bas à gauche et je suis allée chercher la traduction. Alors, en choisissant la traduction, il m'est apparu des nouveaux blocs qui sont ici. Alors, on peut demander à traduire. Je te rappelle que lorsque on prend le bloc mauve dire, en réalité, c'est dire à la façon d'une bande dessinée. Alors, tu vas tout simplement pas entendre, mais voir la prononciation. Il y a des gens qui m'ont demandé de savoir comment on pouvait faire pour partager le lien de notre production. Alors, c'est important pour faire ça d'avoir son compte, d'être branché. Et ici, il faut cliquer sur partager. Une fois que c'est partagé, tu peux copier le lien de ton programme qui est le même lien que l'adresse avec le long numéro que tu as ici. Alors, c'est ce numéro-là ou en cliquant sur copie, en allant chercher ce numéro-là en disant copier, que tu peux aller coller sur une page Facebook pour envoyer dans un message pour que la personne puisse ouvrir son programme. Alors, j'espère que tu auras beaucoup de plaisir en cette journée du poisson d'avril à réaliser un petit projet sous le thème du poisson.